Eh bien, oh amigo, c'est Superbe88, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va plutôt nickel et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Paladin, de Isnerf et Isopi qui concernera Genos is OP. Pourquoi? Parce que la marque astrale, donc son heal, eh ben l'effet rend instantanément 300 PV au lieu de 5% des PV max. Ça, c'est un putain de up de Genos. Et oui, on a enfin maintenant un Genos heal. Comme avant, on se retrouve dans la game. À tout de suite! Alors là, vous allez me dire, ouais, mais le talent, il y a aucune pour heal. Ben, vous allez prendre Corps Céleste, pourquoi? Parce que la marque astrale, son heal, donc le heal, augmente de 15% les dégâts d'armes infligés par sa cible. C'est-à-dire que, comment vous expliquer? Je vais vous expliquer. Vous prenez le Corps Céleste, et là, vous prenez le petit deck là, on a 5% de drain de vie. Pendant 10%, 10 secondes après l'activation de marque astrale, donc après le heal, on regagne 40 PV par seconde pour avoir un peu de PV. Le heal dure 2,5 PV, 2,5 plus. On met un peu plus de cooldown. On met un peu moins de cooldown sur le heal. Et puis voilà. Donc pourquoi le corps céleste? Car quand je vais heal quelqu'un, il va pouvoir faire 15% de dégâts de plus. C'est très très fort comme carte. D'accord. Et en plus j'ai sorti mon super skin. Devoir d'âme. En édition limitée. Venu du premier événement de Paladin. Voilà, j'ai sorti mon super skin. Donc voilà, une petite game sympatoche pour vous expliquer Genos. Je suis content de faire une vidéo sur Genos parce que ça fait longtemps que j'avais pas joué Genos. Et je vais m'en remettre à jouer à Genos aussi. Genos Grover aussi, je vais m'en remettre à jouer. Balance heal sur la Ivy. On fait des dégâts. J'ai mon ulti, mais on va pas l'utiliser, ça sert à rien de l'utiliser là. En fin de manche. La partie, mais enfin la manche, mais non. Vous voyez, on arrive à push sans l'ulti. GG! Donc voilà, Genos is OP. Là, vous avez bien vu comment j'arrive à heal tout le monde. Ouais. Non, mais Genos is OP, les gens, hein, je vous mens pas. Ça m'a OP. Maintenant, il est en train de se faire jouer par les joueurs pro. Le joueur pro, enfin. Tout le monde est en train de le rejouer. Le point de capture apparaît dans tout le monde, hein, à chaque Genos. Non, ça. Genos y revient, je suis content. Ça fait plaisir. Un petit Genos qui revient. Ça fait plaisir. On augmente les dégâts. Sauver notre vie.
C'est une game safe, hein. Sérieusement, j'ai l'impression s'il y a des pas, s'il y a pas des FK ou pas. Et boum. Non! La défense, bordel. Et boum! On a gagné 4-0, vous voyez. On arrivait à tenir notre équipe correctement. On a réussi. On a réussi à tenir notre équipe correctement. Ça va, je suis content. Je suis content de cette partie. Et ben voilà, amigo. Et ben oui, Genos is OP, bordel de merde. Genos is OP. Prenez, copiez ce deck-là. Faites quelque chose avec ce deck là, mais mettez-le dans votre inventaire de deck sur Genos. Voilà, ça c'est obligé, ce deck là. C'est un deck où particulièrement, généralement, tout le monde le joue. Donc voilà, prenez-le, profitez-en que Genos soit OP dans ce patch là. Ça se trouve, il sera nerf pour le prochain patch, je ne sais pas. Bref, voilà, prenez, jouez Genos, n'ayez pas peur, jouez-le, il est bien. Voilà, c'était Spabo88, n'hésitez pas à liker, à partager, à me suivre sur Twitter, Facebook, Instagram, et à me suivre sur Twitch, car je live tout le week-end, et les vacances, et tous les soirs. C'était Spabo88, et je vous dis ciao.